Bonjour à tous, Sylvain Joannet de SLJC Électronique à Saint-Sauveur. Un petit portable à vérifier ici. Première chose que je vérifie, le client me l'a apporté puis il me dit que il allume pas. Il allume pas du tout. Puis si je vérifie 19V.43, c'est en plein ça. 19V 4.74 A. Donc, le bloc d'alimentation, on peut dire qu'il est bon. Par contre, quand je me branche, là, c'est lousse. Mais c'est lousse. Il n'y a aucune lumière qui allume. Il n'y a absolument rien qui allume nulle part. Les lumières sont supposées d'être ici. En tout cas, il y a quelqu'un qui l'a déjà ouvert. Des vis bizarres après ça. On va aller l'ouvrir. On va regarder ce qui se passe. Avec. Non, il n'y a plus de vis après ça, là. Oui, il en reste une ici, je ne vais pas la perdre. Bon. Mets-tu de côté. La batterie est ici pour le CMOS. Le disque dur, il est là. Fait que, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire exactement ce que je peux faire d'habitude. On va débrancher la batterie. Là-dedans. On va démonter le disque dur. Autrement dit, on débranche tout ce qu'il y a d'externe. Même que par bout, je devrais débrancher. Ça, j'ai déjà rencontré ça, par exemple. Un court-circuit là-dedans, avec ça. On va même enlever la mémoire. J'enlève la mémoire, puis au pire, des fois, je peux débrancher. Carrément enlever, puis je vais le faire. Mettre ça de côté. Finalement, la batterie du CMOS. Fini. Parti. Ça, c'est fait. La batterie est débranchée toute. Je vais aller tenir le bouton « On » pour tout vider. Au moins 30 secondes. Et voilà. Survol rapide d'à peu près tout. On va l'essayer comme ça. Les lumières n'allument pas. Il n'y a pas de voltage qui rentre. J'ai l'impression que la prise ne fonctionne pas ici. Non, il n'y a pas de voltage qui rentre là. Bon, on sait pourquoi il marche pas. Il n'y a plus de pin dans le centre. Maudit. Bon ben, faut je remplace le power jack ici. La pin du centre est pétée, elle est plus là. Après moi, il est peut-être tombé avec le câble qui était dedans. C'est pour ça qu'il était lousse comme ça. Puis, faut que je démonte tout le motherboard au complet. Mais toute cette partie-là ici. J'enlève la batterie pour enlever le motherboard. J'enlève les peintures. Je débranche tout. Pour aller chercher ça. C'est parce que c'est soudé directement là. Je vais en parler à mon client puis je vous reviens. Bon, mais il faut retirer ça. On va essayer d'enlever le plus de soudure possible en partant. Ah. Il commence à sortir. Et voilà. On va essayer de nettoyer ça comme il faut. Tiens, il est retiré. On va faire un petit nettoyage. Prêt à recevoir le nouveau. Bon, mais j'ai reçu mon
Nouveau port de chargement ici. On va réinstaller ça. Et voilà. Hey, ça rentre number one. Comme un œuf. Mais on dirait que lui, il a déjà été trafiqué. C'est pas original, ça. C'est pas original. On pose ça. Et voilà, réinstallé à sa place. On a un beau port flambant neuf ici. On remonte ça à sa place. On va essayer ça. Bon ben, avant de tout refermer, là, je me vérifie. Il charge maintenant. La lumière de charge en avant ne marche même pas, par exemple. C'est comique, hein? Ici, il charge. Si je le débranche, vous voyez qu'il tombe. Il tombe sa batterie. Je le remets, il revient. Là, au moins, ça fonctionne. Fait que je vais pouvoir tout fermer ça. Redonner ça au client. Par contre, je comprends pas que sa petite lumière allume pas. La lumière du disque allume, mais pas la lumière de charge. Il était magané un petit peu, cet ordi-là. Tout en marche à nouveau. Merci.